Mais quelle agonie! Ok. Où on découvre que les grosses, c'est presque aussi adhérent que les chaussons. Là, c'est le passage du bloc coincé. Uh-huh. On va passer en dessous. Et là. Et si on le décoince? Voilà, passé par le bloc coincé. Donc on n'a pas réussi à le franchir parce que à cause du surpoids. Voilà. Alors le bloc coincé, il est juste là, coincé, là. Bah, on l'a contourné. Et quand tu es en dessous et que tu as quelqu'un qui marche dessus, ça fout les pétoches hein, parce que tu as l'impression qu'il va tomber. Là qu'on va bivouaquer. Merci Hugues pour les lunettes, c'est super. Comme avec lui aujourd'hui. Comment cette journée Laurent, comment c'était? Une belle cata jusqu'à ce qu'on arrive dans la neige en fait. Alex et Manu. Ah mais là ça fout. On partage notre chambre. L'étage. Nous accueillir. Ils vont faire la République demain. En tout cas, c'était cool parce que bon, bon, ça avait le chemin, mais c'est toujours bien de voir des gens. Ouais. Des amis. Je pense qu'il y a du bruit un peu ici, hein, parce que sinon on ne voudrait pas en bas. Et le lièvre au-dessus. Tu as réussi à le récupérer? Deuxième bivouac, 100 mètres sous le sommet. On est sorti au sommet. Parce que là, je suis mort. Allez, debout. De toutes les courses que j'ai faites. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, mes collègues là-bas sur le Charmoz.
rappel pour aller sur le CP. Et le CP, on y est. Petite pause, boisson. La brèche des lentillons. La descente, c'est pas grave. Pas encore. Le suivant est là au milieu. Et c'est pas le dernier. Il y en a encore un là. Et ça va nous mener à la neige. Encore après un petit bout sur le glacier. Un petit commentaire. Trouver de l'eau. Enfin. Pas de bolognaise, comme d'hab. Mais soupe en entrée d'abord quoi. Ouais, une bonne soupe. Brûlée et orante. Ah, les pâtes, elles ont absorbé toute l'eau. C'est là qu'on va dormir, à l'abri. Il faut quand même préciser. Face aux montagnes. Le refuge était fermé. Bah oui, le refuge était fermé, donc. Énorme. Ouais.